Lamego, Arganil, Viseu. Troços secretos para descobrir apenas no momento da partida. É sim a magia do Rally de Portugal histórico. Passa por paisagens deslumbrantes que marcaram o Rally de Portugal há muitos anos. Memórias ainda bem vivas em quem participou na prova. São as memórias que são vraiment grave a mim. Moi, j'avais encore jeune, 24 ans à l'époque. Souvenez-vous que c'était que 3 ans après la révolution ici à Portugal. La Portugal était très, très pauvre. Le rally était très bien organisé. Et je me souviens comme pendant la reconnaissance, on a reconnu peut-être pendant un mois, la route était en très mauvaise condition. C'était vraiment étonné comment réussir. Mais quand le rally a commencé, la route était en bon état. Et ce qui me frappait, c'était les gens gentils en Portugal. Portugal et ça me fait beaucoup de plaisir. O piloto finlandês nunca conseguiu saborear a vitória do Rally de Portugal, mas guarda a prova como uma das mais especiais da sua carreira. 40 anos depois, registra o que mudou. Em termos de segurança, é enorme, simplesmente enorme. Il faut avouer que, évidemment, Sintra, quand on a. Surtout Sintra, mais maior, la foule, les Portugais sont tellement, ils aiment les rallyes que. Mais c'était extrêmement dangereux. Maintenant, c'est complètement différent. Tout est discipliné, c'est très bien organisé de son point de vue. Mais moi, je suis aussi content d'avoir vu cet ancien rallye. Quand on a passé d'ici par Sintra, par Pouchago, Figueras-Foz, on a monté à Viena de Castello, Villarreal, descendu Arganil, Viseu, you name it. On a tout vu. C'est ça la vraie vie aussi. Histórias e memórias escritas todos os anos pelos pilotos que percorrem os troços do Rally de Portugal histórico.